Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de ce mois de juin et le dernier message de cette dernière semaine. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors dernier jour de ce mois de juin, peut-être que certains d'entre vous vont prendre leurs vacances au mois de juillet, au mois d'août. Alors si vous prenez vos vacances au mois de juillet, d'ores et déjà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, de très 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 belles vacances. Et puis si vous partez en famille, profitez bien de votre famille, avec des amis, profitez de vos amis. Profitez de chaque moment, c'est important de profiter de l'instant présent, profiter de ces belles journées que vous allez avoir, de ces belles vacances que vous allez avoir. Ressourcez-vous, c'est aussi un moyen pour vous ressourcer, n'est-ce pas? Donc, pour recharger les batteries, comme on dit, Voilà. Avant de commencer, on va dire trois fois cette phrase « Univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finance et juridique, dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. » Aujourd'hui, j'ai pigé, vous êtes au beau moment, au bon endroit, au bon endroit. Ça va encore parler à certains d'entre vous, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise pour prendre ce qui résonne pour vous, n'est-ce pas? Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes un créateur très puissant. Vous êtes des créateurs très puissants. Sauf que, cette création est souvent inconsciente pour certains d'entre vous. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce qui vous arrive est parfait. Et vous le jugez avec la réduite perception humaine qui ne voit seulement qu'une partie du tableau. On a l'impression que vous ne prenez pas conscience de ce que vous avez. Combien de fois vous est-il arrivé de juger un événement comme négatif, comme la pire des choses qui vous soit arrivée, pour ensuite, quelques années plus tard, prendre conscience que cette situation était nécessaire et salutaire, et qu'en plus, c'était le début d'un grand changement? Vous avez créé ces bouleversements parce qu'ils servaient à votre plan d'incarnation avec lequel vous êtes toujours en phase. Même quand vous pensez faire des erreurs, quand vous vous sentez en échec, cette carte, elle vous rappelle que ni l'erreur ni l'échec n'existent, car les deux vous emmènent sur le chemin de l'expérience, et ce que vous voyez comme positif ou négatif est en réalité très subjectif, n'est-ce pas? N'avons pas d'échec, parce que l'échec, nous avons appris de ces échecs, nous apprenons. Alors cette carte, elle vous rappelle aussi que si vous n'aimez pas votre expérience aujourd'hui, même si elle est sûrement très évolutive pour vous, vous pouvez la changer à tout moment, car vous avez en vous, la puissance pour le faire. Vous seul avez cette puissance-là, pas les autres. Encore une fois, il n'y a pas
de fatalité. La fatalité, pour moi, n'existe pas. Vous pouvez changer les clauses de votre contrat de vie si vous en sentez le besoin. Vous avez toujours le libre arbitre. On vous laisse, l'univers vous laisse le libre arbitre. Notre Créateur vous laisse le libre arbitre. Rien n'est figé. Tout bouge. Le mot de l'univers est l'évolution, n'est-ce pas? Et vous êtes en évolution. Alors, utilisez votre puissance pour changer ce qui ne vous plaît pas. Et tout l'univers vous soutiendra, si c'est dans votre chemin de vie. Quelle expérience souhaitez-vous transformer à jamais? Quelle est l'expérience que vous souhaitez transformer? Autre question, quelle clause de votre contrat d'incarnation voulez-vous modifier? Ou effacer? En voilà des questions à vous poser, n'est-ce pas? Je suis au bon endroit et au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incarnation si ça parle à certains d'entre vous. Je suis au bon endroit et au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Je suis au bon endroit et au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Maintenant, si pour certains d'entre vous ce n'est pas le cas, eh bien vous allez répéter 3 fois « Je suis au bon endroit et au bon moment » et en même temps je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Je répète, je suis au bon endroit et au bon moment. Et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Vous le répétez encore une fois. Très beau message pour terminer ce mois de juin. Pour terminer avec cet oracle, eh bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Quel message plus beau qu'on pouvait avoir après avoir parcouru tout ce mois de juin avec guérir de ses blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Très beau travail pour ce mois-ci. Et je termine avec... Eh bien, le petit oracle des fées. La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Eh bien, que la magie opère, n'est-ce pas? Que la magie opère dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous devez travailler, des remerciements que vous devez faire à vous-même, de travailler sur l'amour de soi, c'est important. Voilà, c'est un très, très, très beau voyage de guérison pour guérir les blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Je vous souhaite une toute belle journée et puis
Je vous souhaite de très 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 belles vacances. Profitez des vôtres, profitez de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, profitez de votre famille, de vos amis, profitez des beaux moments que vous allez passer pour celles et ceux qui partent en vacances, eh bien, rechargez les batteries, refaites le plein. On se retrouve bien tout prochainement dans un nouveau mois, dans une nouvelle capsule, dans des nouvelles capsules. Et puis d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt.